Nous lisons dans le livre de Josué, et Tama, chapitre 1. Josué après Amalek, et Tama, Josué, chapitre 1er, où Pipa va se réacheter et a dit les versets 1 à 9. Nous sommes prêts à parler, où Pipa va se réacheter. Le Yehova fait dans la bosse fait coup, mais Bella, Yehova Colonna, Yosua, nous vit, signé, bosse fait sous Bola, Bena, n'y est dans la bosse coup, est un titre, et n'y a plus de corps, plus beau là, n'y a tout, Yoda, si a aï, Aniba, si me père, Mana Israël, l'a dit. Si il y avait un fofoumé, un doula, ma tue, nami, après, allez si me blonna, mose, ele, il y avait un iba, ato, bedi, fle, Libanon, si à bord, vassere, frax, tosisi, gala, nou. Ici tout, que Aniba, Bibo, la Bassere, Bougan, Lano, les rédéfaits gommés. Améa, dès que Manotede, Nuo, Léo, Agbemen, Kekeo, Katameo, Alessi, maintenant, Flei, Mosela, Genema, Manople, Wuhan. Nyema de asi le mu o. Eye nyema ble odi o. Le direbo. Eye nasem la pena we ama aniba simu meka atando na o fofo o bena mache na o la na dukosia. Le direbo. Eye nasem Vevierko. Laisse si au kata, nietola, mose, tena, ou la, mere, assi. Eye, nawo, woji. Megadere, busi, allo, miyama, o. Noa, teji, nawo, le afisi, afi, sinai. Ipunia, megadere, nule, se balesiam, o. Eye, nabu, emu, sakle, keli. Nena le nu si o kata o mrode eme la mede asi eye na wawoji e la pena e yako hafi jogwe nye ano moji na u eye nu si anu aje di na u ipia sikia menye de mede sena upe le jide hu eye na senu ngome gaji u et Didi Megahu Oua. Amen. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Noun, serviteur de Moïse. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce journée, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Mais médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit.
Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Et c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Amen. Nous prions s'il vous plaît. Mao fufu mi da kena. Mi ka fu mi do reji. Da wo do me no ple wo amen ve ve ta. E de kupu na wo. U ku bo bo te be na fu nu na mi. Na da mi le do po ko ko to. Ni Yesu Kristo fu en kon. Amen. Amen. Mi a po to Yesu Kristo fu en ti fa fa na do ni ple mi kata. Que la grâce de Jésus-Christ soit avec nous tous. J'ai baptisé le message de ce matin, la bénédiction de l'Éternel. Qui possédera la bénédiction de l'Éternel? Et c'est quoi la bénédiction? Quand nous posons la question aux gens, qu'est-ce que la bénédiction, nous aurons plusieurs réponses. La bénédiction, c'est une bonne nouvelle, une bonne parole que Dieu déclare à l'endroit de son peuple. Ou une parole qu'il confie à son serviteur, son envoyé, pour le peuple. Et donc si vous êtes vraiment le peuple de l'Éternel, toutes les paroles que dira l'Éternel, ce matin t'appartiennent. Conformément aux paroles de lui ce matin, Dieu, à travers son esprit, parlait à son serviteur Josué. Elle avait un meilleur tien. Car celui qu'il a choisi et qu'il a mis à la tête du peuple, sa mission arrivait à sa fin. Et Dieu appelait le serviteur de ce leader. Joshua. Ce serviteur s'appelle Josué. Et Dieu lui dit, ton seigneur, ton chef Moïse n'est plus. Donc il est de ton tour maintenant de te lever. Et que tu sois devant le peuple. Et que vous puissiez conduire le peuple pour traverser le Jourdain. Vous irez sur la terre promise. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, avant que Dieu ne vous bénisse, il faudrait qu'il vous confie d'abord une parole. Et sa première instruction qui parvient à l'homme est la suivante. Répands-toi. Celui qui se répand sincèrement, quitte l'idolâtrie et vient à Dieu, devient fils de Dieu. Quelqu'un que Dieu a tellement béni, ce grand homme qui est béni et dont nous voulons posséder la portion semblable de bénédiction est Abraham. Il est né sur le territoire 12 en Chaldée. Et son père et sa mère furent idolâtres. Abraham, et Dieu lui confia une première instruction, Abraham. Mais Abraham, sors de la famille de ton père. En d'autres termes, Abraham, mets-toi à part pour moi.
voilà, si tu arrives à le faire, à obéir, écoute les bénédictions qui vont te suivre. Je ferai de toi un grand peuple. Alléluia. Amen. Gande. Je ferai de toi un grand peuple. Et quiconque te bénira, moi l'Éternel, je bénirai celui-là. Quiconque se lèvera contre toi, moi l'Éternel, je vais régler son sort. Alléluia. Amen. Voix, condition. Alors, lui, Adam, lui, le roi, mais il y avait Chou. Et vous voyez, Dieu voudrait faire cela dans la vie d'Abraham à une condition. Abraham doit quitter l'idolâtrie. Abraham doit bouger. Abraham doit quitter la ville du monde en quelque sorte. S'il ne bouge pas, la parole de Dieu ne s'accomplira pas. Mais cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas en mesure de réaliser ce qu'il a déclaré. Mais Dieu a l'habitude de réaliser ses projets avec les hommes. Amen. Dans cette nouvelle année, permet que l'Éternel fasse de grandes choses dans ta vie. Et quand Abraham est sorti, son épouse et Galaam, et leur serviteur, leur brebis, et ils allaient. Il allait sans connaître exactement la destination. Mais la main de l'Éternel était sur lui. Et il allait de bénédiction en bénédiction. Des milliers d'années après, son nom a demeuré. D'ici le trop bosphome, d'ici le nouveau outil, et puis un concorde à Tchemou. Amen. Toi aussi, si dans cette nouvelle année, tu arrives à te repentir vraiment et tu as abandonné le péché, Dieu suscitera ton nom. Et Dieu donne sa parole à Josué lui disant, Moïse ne vit plus. Et toi, chite, lève-toi. Alléluia. Amen. Et conduis le peuple. Mais je voudrais te dire ceci. Si tu te lèves et que tu es devant, personne ne sera en mesure de se lever contre toi. Autant que tu vivras, tant que tu vivras, personne ne te résistera. Nul ne pourra te vaincre. Peuple de Dieu. Peuple de la paroisse appelé de quoi? Je voudrais te dire ce matin que puisque tu as donné ta vie à Jésus-Christ, que tu as choisi de marcher cette année avec le Seigneur, amen. Aucun méchant ne te résistera. Aucun méchant ne pourra te vaincre. Aucun ennemi ne pourra te résister. Tant que tu vivras, car celui qui est avec toi, son nom est l'Éternel des armées. Et il combat pour son peuple. Il remporte la victoire pour son peuple. Cette année, si tu peux te lever, te lever très tôt, aller vers ton travail, avant que tu n'ailles, tu demandes la voix, la direction de l'Éternel. Priez l'Éternel. Lui confier la journée. Partout où tu iras. Que ce soit au marché. Que ce soit au champ. Au service. À l'école. L'Éternel te promet ceci. Oh, il y a avec toi. Et je te donnerai la victoire. Alléluia. Nous, il est devenu ce qu'il y a d'important.
c'est de tenir ferme. De rester ferme devant Dieu. Et si tu te tiens ferme devant le Seigneur, dans tout ce que tu entreprendras, Dieu te donnera la victoire. Il donne la victoire à son peuple, toujours. Il ne les abandonne jamais. Il leur donne la victoire. Je vais déclarer encore cette année, si tu te répands et tu te confies à l'Éternel, tel que l'Éternel a ordonné à Josué de se lever, de traverser le fleuve, le Jourdain, de rester devant le peuple, de traverser le Jourdain. Le Jourdain est un fleuve. C'est un fleuve en cru. Et à l'époque où Dieu parlait à Josué, le Jourdain était en cru. Et il se trouve que Josué ne savait pas nager. Ils avaient traversé le désert pendant 40 ans. Et il n'y avait pas de barque. Mais Dieu lui dit, lève-toi. Il y a un obstacle devant toi. Mais traverse l'obstacle. Quel que soit l'obstacle de ta vie ce matin, cette année, si tu te lèves, l'Éternel va se lever. Si tu marches, l'Éternel va marcher. Et l'Éternel va t'aider. Fait que l'obstacle soit franchi. Il va vaincre. Donc l'Éternel lui dit premièrement, je te dis ceci, nul ne tiendra devant toi. Même le Jourdain en cru ne le pourra pas. La mer rouge n'a pas pu être un empêchement pour Moïse en voyageant. Donc toi aussi, le Jourdain ne sera pas un obstacle pour toi. Quel est l'obstacle dans ta vie dans les années passées? Quel a été ton obstacle dans les années passées? Dans cette année, lève-toi et va vaincre au nom de Jésus. Observe bien l'obstacle et pose-toi la question, où ai-je failli? Non, femme, qu'est-ce qui arrive, ton mari ne mange pas à la maison? Pourquoi tu prépares et ton mari ne mange pas? Observe bien. Si c'est parce que tu ne savais pas cuisiner, prends un temps et va te faire une formation à la cuisine. Va faire une formation et reviens pour réparer les choses. Et quand tu te lèves, l'Éternel se mettra avec toi. Alléluia. Amen. Il y a certaines choses que Dieu ne fera jamais à votre place. C'est nous qui devons nous lever pour le faire. Et quand nous nous levons pour le faire, Dieu bénira notre action. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Pourquoi les gens ne viennent pas dans l'atelier? Parce que le premier vêtement que tu as cousu pour quelqu'un, quand la personne a commandé par porte, son bras n'a pas pu rentrer dans le manche. Et quand il passait, les gens lui posent la question, c'est un cavalier qui a cousu dans la vie. Moi, si tu as remarqué que ça ne marche pas, ton métier ne marche pas, va vers celui qui s'y connaît. Humilie-toi auprès de lui et fais-en une formation complémentaire. Et au retour, tu n'auras pas la main pour recevoir l'argent de les clients. Oh, praise the Lord! Je voudrais que le message soit polyvalent, embrasse tous les domaines. Parce que le conditionné, yes.
Vous voyez, nous sommes dans le temple priant au Seigneur, bénis-nous, bénis-nous. Mais il y a des conditions à remplir avant de jouir de la bénédiction de l'Éternel. Alléluia. Amen. Allons malade de Funa Maré. Je demande quelqu'un loin de là. Maçon, nous te gagnons. Le maçon dresse le mur n'est pas droit. Oh, crépissage, il a fait un crépissage qui est complètement déséquilibré. Il n'y a pas de niveau. Qui pourra lui confier un métier? Un chantier. Et parce qu'il peut t'imposer la main, prier pour toi tellement. Tu deviendras finalement chaud. Trouve un plan niveau. Va chercher à manipuler le niveau en maçonnerie. Et tu vas apprendre comment l'homme est habile à toi dans son métier. Et si tu es à droit, ajoute la vérité au travail de Dieu. Et quand on te conduit le ciment pour le chantier, ne vole pas un peu de ciment pour aller faire. Je ne sais pas. La tia est écrasée dans la maison. Nous devons entretenir le travail. Et si tu le fais bien, tu feras juste le premier métier dans le premier boulot. Oh, praise the Lord. Alléluia. Vous voyez, vous allez juste avoir le premier chantier dans l'année, mais quand vous allez le faire, bien le réussir, le premier client va devenir votre agent de publicité, mais lui, là, c'est un bon travailleur. C'est un bon artisan. Et ainsi, vous irez loin. Et Dieu dit, fortifie-toi. Avant qu'on le dise à quelqu'un, fortifie-toi. Cela sous-entend que la personne traverse quelque chose de difficile. Vous alliez traverser quelque chose de difficile. Mais à l'heure où je parle, vous l'avez traversé. Mais si tu peux t'humilier cette année, tu humilier au pied du Seigneur. Toi-même, tu verras que. Ah, mais Dieu est si proche, je ne le savais pas. Oh, Dieu est proche de moi ainsi. C'est ainsi que l'Éternel bénit tout simplement. Si tu as une boutique cette année, lève-toi toi et vas-y. Vas-y. Là, vous voyez toi. Très tôt, ouvre. Là, vous voyez toi les. Et en ouvrant, maintenant, regarde, va. J'ai fait le Grand Nord, la savane. Et nous passons le voyage de la savane, de la savane jusqu'à Lomé pour arriver, toute la nuit pour arriver le matin. Et je me rappelle qu'on était arrivé à Lomé ainsi. Et nous sommes arrivés au Grand Marché. Et les gens se disent, arrivent, ils doivent payer leur marchandise. Et ma grande soeur, chez qui j'étais arrivé, elle était aussi dans le marché. Et quelqu'un aussi a ouvert sa boutique. Amen. Cette année, prends soin de ton activité. Soigne un peu l'activité. Et il y a un jeune homme qui est venu vers une commerçante et veut payer du pain. Et le client n'a même pas. Ça dit l'apparence est trompeuse. Vous le voyez dans un jeep, on dirait un petit voyou. Et il demande le prix. Et la commerçante répond ainsi. Mais toi là, ne me dérange pas ce matin, ne sois pas mon problème ce matin. Oh bien aimé, assaisonnons vos paroles. Alléluia. Amen. Le client, le jeune homme, ne sait même pas parler hébreu, ça dit que c'est un étranger. Mais la dame, toi, ne me dérange pas ce matin. Et vous voyez, le jeune homme est venu de la Côte d'Ivoire pour. Vous voyez, ceux qui maîtrisent le commerce, surtout dans nos frontières ici, si vous vous habillez de manière catholique, vous risquez d'être volé. Donc il est juste dans un jean.
My brother, come here. Et quand la première commerçante can you help you? Voyez, quand la première n'accueillait pas bien le jeune, la voisine, la commerçante voisine lui a fait signe, non, tu peux venir, je viens, peux-je t'aider? Je comprends pas, tu ne maîtrises pas l'anglais. Et le jeune homme a dit, Niemen, c'est un si bien haut. Vous êtes d'où? Sans vous mentir, le pain qu'il voulait payer, l'autre ne le recevait pas bien. Les mêmes produits sont chez la voisine, la commerçante voisine. Et sans vous mentir, ce matin, l'autre a vendu 5 millions. Et l'autre était quoi que tu fasses, sois accueillant. Hein, accueille les clients avec respect et avec dignité. Alléluia. Oh, vous voyez bien aimé, il y avait une parole aussi à mes côtés, quand mon beau-père était là-bas, la dame ne vendait que du Cali, mais quand elle passe, mon Cali là, il a mis le beauté et quoi. Et tout le monde payait le Cali parce qu'on a jamais vu un Cali avec beauté. Et voilà que le Cali de la dame n'est que du Cali de Baudin, mais elle en prend soin. Elle accueille les gens. Si tu as fait nul ne tiendra devant toi cette année. Si tu ne vas pas, personne ne vendra. Amen. Si tu ne vas pas, parce que Dieu a vu que tu bâtis ce temple. Nous devons faire combien d'années avant d'achever ça? 7 ans, loin de là. 20 ans, non. Oh. La chapelle, là où le niveau de la construction, et ça laisse croire que vraiment c'est un chantier. Il y a des tours un peu partout. C'est comme le Brésilien s'habille de manière spéciale pour certaines fêtes, quoi. Mais la prière du président, c'est que avant que l'année ne s'achève, que le bâtiment grandisse. Sinon, les Brésiliens se voient pour leur carnaval. Vous voyez, ils portent des habits vraiment façon là. Que le bâtiment grandisse cette année. Amen. Ça c'est juste pour bloquer le soleil pour que ça ne vienne pas sur nous. Mais quand la pluie et le vent vont arriver, ça peut rentrer par ici. Mais cette année, je
Ohana, ils diront Amen. Celui-là, il connaît les voies de l'Éternel. La Bible déclare garde fidèlement la parole de l'Éternel. Ne te détourne ni à gauche ni à droite. Personne ne te trompe te disant mais je vais te vendre un mouchoir, ça va t'apporter la vie. Personne ne te séduise te disant va me chercher l'eau de mer et je vais bénir cela. Que personne ne t'enseigne une voie de l'idolâtrie. Ce que tu dois chercher cette année, c'est que chaque jour, que l'Éternel soit avec toi. Et si Dieu est avec toi, et toi-même, tu es sage, tu mangeras, tu gagneras de bonnes choses dans l'année. Car Dieu a voulu bénir. Dieu a décidé de promouvoir quelqu'un. Mais celui-là qui va obéir à sa voix, celui qui va marcher selon les ordonnances, celui-là qui sera l'homme béni. Je me pose certaines questions. L'argent appartient-il seulement à certaines personnes? Ce que l'Éternel a déclaré, je ferai des gens, je les ferai riches. Ne sommes-nous pas concernés? Toi, tu as fait le choix de demeurer sur ma peau. Mais ce matin, je prie, si tel est ton choix, que l'Éternel change les choses. Que ta pensée s'ouvre à l'endroit de l'argent que tu dois avoir. Tu n'as même pas soif et voilà pour le plaisir du pire à ta place, tu en payes, tu goûtes et tu jettes le reste. C'est l'argent que tu as dit. Mais
C'est la 25 francs de l'été. Non, non, ne parle pas quelqu'un, le peuple attend l'année. 750. Hein? 750. Il est 750 fois 12. 7500 plus 1500. Pour 9000. La veille, mais regarde pas encore. Mais toi, tu es loti. Et qui va t'aller loin, le loti, 9000, pas de cas. Voilà, à mon nom, amené. Pas de cas. Les gens en boivent juste à 4 par jour. On en a 100 francs. Ils en boivent 4. Mais de quel moment on en a une vidéo, on t'a coupé. Et ça ne finit pas en goutte. Ça dit, oui, c'est pas le fait de boire quel goutte. Ah, mais si, oui, mais il m'a envoyé, mais. Ah, mais si, attendons. Alors, on a un peu gardé, pas que gardé. Alors, voilà. À ma main, ma vidéo, à bien le bébé, il y a des. Celui qui va être sage et envoyer le surplus de son argent bien épargné, celui-là, il a l'œil. Il sera milliardaire. Alors, on a un peu là. Car il y a certains. L'autre, on va pas pour si on rencontre celui qui vend, il vient le manger, il a vu de la dette pour le plaisir, il en paye. Non, non, tu tiens, vous voyez, voilà, fire yogo, après. Et ils arrivent au feu rouge, yogo, allez, d'aller voir le patron. Allez, vous si, à nous, le coup. Il embrasse seulement. Il a fait tout. Vous m'avez dit, car on ne va pas. Et quand tu m'as dit, vous. S'il a de l'argent, il ne finit pas, il est jamais tranquille. Et moi, je me suis posé. Ça, c'est aussi une autre forme de malédiction. Cette année, si tu as de l'argent, que Dieu maintient ta richesse. Et que l'argent tienne en toi. Et que l'argent fasse bien. Le bien. Le bien. Que l'argent fasse ce qui va demeurer, tes enfants vont voir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, malade de Founa, malade. Je dis, toi, tu les filles. C'est quand arrivant à l'église ici. Bah, toi, tu vois, toi, non, on peut pas, hein. Premièrement, que la chapelle, même le temple, même soit un témoignage. Mais dans la voiture, que tout voit, on a dit dans ses mains, il n'a pas de mien, mais il n'a pas la coupe, mais tout voit, petit que tombe, mais tout voit, la coupe, tout voit là, ahem, mais tout voit, ça on est. Et le temple sert le repère dans le milieu. Ah, et il va le mener. Et quand cela arrive ainsi, on a le temps à toi là. Toi aussi en arrivant à l'église, on t'a l'air à Fona, t'as au bois là. Quand tu vas aller vers ta cantine de pain, à des éliminés et tu gardes. Tu sors la qualité. Alors, ben, nous voir donner la qualité. Parce que la chapelle est en qualité. Et on est bon là. Et en arrivant, à son, à chaque temps, tu vas marcher. Mais à mener, vous en avez un peu. Et de tout, et de tout, Katala, et il y a un grand temps pour lui. Amen. Et quelqu'un en passant dira, tous ceux qui sont dans la chapelle là-bas sont tous bénis. Amen. Amen. Elle est bien ce soir. Es-tu prêt? Lève-moi. Que cela soit ainsi pour toi. Lève-moi. Que ça se réalise pour toi. Vois, elle est bien à tout nous, mais. Mais il faut que tu traverses les épreuves. Et quand même de la Dieu. L'argent ne tombe pas du ciel. Mais jamais il ne tombe du ciel. Il te faut te battre, lutter. Travailler, persévérer. Alors là-bas, oh, t'es là-bas, oh. Et déjà, on vient de toi, il dit qu'il n'a jamais je vais avancer. Le mot pour nous, et maintenant que l'Éternel t'ouvre la voie cette année, oh, le titre. Toi aussi, lève-toi. Mais quoi m'aider? Et va voir quelqu'un. La cigame. Au grand marché. L'aide à Canaan. Paye quelque chose. Et toi, Canaan là. Et s'il te donne de la marchandise, sois honnête. Sois intègre. Mais c'est là. Quand tu vends, allez. Garde le bénéfice. Cache-le quelque part. Là-bas. Et va payer le papier en fait, celui qui a livré les marchandises. Reprends encore. Non, tu dis pas. Et cette année, bats-toi. Bats-toi. Et puis là, l'année là, ni pas tes côtés. Oh, cette année n'a pas de notice. Mamoula
comme il a dit de bon caca. Dieu a élevé à tous les niveaux. Azon me va se couvrir au bon. Je viens maintenant aux étudiants, aux élèves. Eh, voilà. Cette année, c'est pour toi. C'est pour toi. Non, mais t'es vraiment le campus tango. Si on le dit qu'il y a pas de la place à l'université, lève-toi à 4 heures. Et va occuper le premier. Quand l'enseignant dispose son cours, regarde le droit dans les yeux. Car la première place aussi est réservée pour les gens. Quand il te lève à 8 heures, tu te pointes dans l'amphi. Tu peux le rester à la fenêtre. Lève-toi. Très tôt. Lève-toi très tôt. Et prie. Manière taille. Aïe aïe ni pourquoi. Il faut qu'on te raconte votre expérience. La souffrance. Amoutier, il n'a fait que porte de paix. Vacances, mais ne me pas lève l'homme. Quand je viens pour les jobs de vacances, je marche d'Amoutier jusqu'au port de pêche. Comment m'a gaffe, maintenant 2 heures, je m'en vais de là. Et le port de pêche, il y a ni docker au bas et bureau. Si moi on appelle, faut faire mes garanaïs. Aïe, bateau, ma mère, non. À 4 heures, le service, dans les bateaux commence. Et la direction de dockers en ce moment était au port de pêche. Vous devez être là à 4 heures. On y va tout de suite. Et c'est toujours là-bas la direction. Je vais tout ma femme pour chercher du poisson frais. Et il y a des gens toujours là-bas et je me suis rappelé. Vous devez être là à 4 heures. Si vous êtes en retard et qu'on a déjà fait la paire, on a sauté votre numéro, nous avions une expression, tu es bâché. Ça veut dire que tu es contourné, court-circuité. Et voilà, s'il n'y a pas eu un autre bateau pour qu'on puisse demander vraiment une autre équipe supplémentaire, vous perdez la journée. Marche avant, marche revenant, et voilà, je vous le gagnez. Lui il en a déjà, toi tu n'en as pas, mais tu es là-bas à célébrer son but sans rien gagner. Occupe-toi de ton cahier. Eh ben, qu'on a crié, Niamé, Enouka, habitant, Feuilleton, eh bien, à quoi on t'a calé ? Après Noël, on va comment ? Oh, on va garder de mon nom. On va le temps de bouton, boum, 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 boum. Quand vous voulez passer toutes les séries, tous les feuilletons sur les chaînes, ici, là-bas, de Niamey à Conakry, à Abidjan, vous passez tous les feuilletons. Quand vous regardez les feuilletons, eux, ils prennent leurs millions sur leur compte. Leur service est rendu et ils préparent encore d'autres films. Mais c'est toi qui perds, occupe-toi de tes affaires aussi. Non, mais je me garantis, WhatsApp, il me paye à moi. Quand vous voulez, n'a rien d'internet, il dit là, n'a rien de recherche. Ne vous accrochez pas au hasard, juste pour vous distraire à longueur de journée. Mais quand vous allez sur le net, sur les réseaux sociaux, allez pour une recherche spécifique, allez pour un but précis, approfondissez votre connaissance ainsi. Mais quand vous êtes dans les termes que vous voulez mettre, etc. comme ça, même vous risquez d'écrire les mêmes termes dans vos dictées à l'école, et voilà, vous n'aurez que 0 parce que votre dictée n'est pas bonne. Dans Vigno, mettez coucou carré.
Cher ami, je vous en supplie. Allez, Maou, Blona, Joshua, Bébé, Titela. Ce que l'Éternel a dit à Josué, ne vois tu Jordan. De se lever et de traverser le Jourdain. Et il n'y a que de petits trucs qui t'ont regardé. Amen. Vous voyez, le reste est parce que place. Non, pour les autres, ça marche. Pour moi, ça ne marche pas. Moi, les frères et moi, rien ne marche. Quand c'est comme ça, tout le monde sait que rien ne marche pas. Mais maintenant, c'est d'aller, lève-toi et entre le roi, prie le Seigneur, jeûne, supplie l'Éternel. Il te sera faveur et il t'aidera à avancer. Dans la nuit, tu fais le temps dans le Wuhanku. Le reste n'est pas sur place que tes lamentations ne vont rien changer. Quand nous sommes là, le soleil nous frappe, il nous frappe, et nous sommes là-bas, nous ne faisons rien de nouveau. Le soleil nous frappera. Je me rappelle, j'étais déjà venu dans cette chapelle où j'avais vu. Le plan, hein, la conception, le plan qui devait être construit sur un et le poster était joli, les briques aussi étaient à l'entrée. Et voilà, mais quand vous vous êtes levé, quand vous êtes levé, Amen. Voilà, c'est un moment ici aujourd'hui. Et voilà, que vous êtes levé, je me pose une question. Mais, président, oui, président, quand tu vas arriver dans la chapelle là, quand tout sera fini et qu'on t'appellera pour la dédicace, est-ce que tu pourras le faire si tu ne continues pas? Mais n'y a pas de où on a de l'amour. Donc, je suis de nature. Je suis de nature à ne pas répondre à des invitations pour peut-être inaugurer l'édifice si je n'ai pas un contribué, car je n'aurai pas la notoriété pour bien parler. Donc, je vous supplie. Prends courage cette année. Que la parole de l'Éternel te soit douce et intéressante. Je connais bien votre pasteur. Les prières matinales, il ne retient pas aussi trop. Il arrête très tôt la prière matinale. Vous vous levez tôt, vous venez vous prier. Et le jour où vous vous levez pour aller à la prière matinale, la journée est plus douce que les autres. Le maouna. Capte la parole de l'Éternel. Et marche dans la parole de l'Éternel. Et nous qui avons un peu de succès. Faisons en sorte que ceux qui n'ont rien, nous puissions les aider à se relever. Alléluia. Amen. Mais ne t'attends pas que je puisse t'aider aujourd'hui et que demain je le répète encore. Je t'ai aidé aujourd'hui pour que demain toi aussi tu puisses aider quelqu'un. Alléluia. Amen. Je t'ai aidé aujourd'hui pour que demain tu aides aussi quelqu'un. Il y en a quand vous leur donnez quelque chose aujourd'hui, ils attendent que demain tu le répètes encore. Ils te mettent dans leur agenda, dans leur source de revenus, et ça viendra toujours par ici. Moi, quand tu m'attends ainsi, tu auras mal aux pieds parce que, après toi, je me tourne vers les autres aussi pour les soutenir. Que cette année soit une année de succès pour toi. Et maintenant, sur le plan spirituel, accroche-toi à l'Éternel. C'est là où la bénédiction de l'Éternel. Car le Dieu Tout-Puissant, s'il est dans ton cœur, et il n'y a pas de puissance, il n'y a pas d'autorité qui puisse te vaincre. Il n'y en a pas.
C'est une vérité, il n'y en a pas. Car celui qui est le maître de l'humanité, celui qui a créé les cieux et la terre, celui qui a créé toutes les autorités, s'il est de ton côté, toi-même tu deviens un extraordinaire. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes invincibles par les incantations. Les sorciers peuvent se rassembler et monter leur programme, ça ne marchera pas. Parce que l'Éternel a dit, je suis avec toi. Voilà pourquoi il a rassuré de jouer. Et sanctifie-toi. Et ne crains rien. Et en réalité, quand vous lisez la suite du livre de Josué, il est arrivé que les combats se sont dressés contre lui. Le combat était très dur. Et Josué se tournait vers l'Éternel. Il a prié. Éternel, arrête le soleil. La nuit ne va pas tomber. La nuit ne viendra pas si je n'ai pas vaincu la bataille. Et la nuit n'arrivait pas. Le soleil n'arrivait pas. La nuit ne pouvait pas arriver à l'ordre de Jésus. Le soleil ne rentre plus. Parce que Dieu lui a dit, je suis avec toi. À cause de toi cette année, l'année n'arrive pas. À cause de toi cette année, si tu ne vends pas, personne ne vendra. Quelqu'un parle des moyens, si Dieu les moyens maléfiques, attire la clientèle. Que l'Éternel te fasse prospérer et te lève au-dessus d'eux. Même si tu vends du pomme, fais en sorte que ton acton et talent soient propres. Ton propre. Que les plats que tu utilises soient propres. La marmite qui contient la nourriture que tu vends doit être propre. Voilà, si les gens finissent de manger et après avoir évacué les plats, tout du javel met dans l'eau pour nettoyer la table pour les mouches ne soient pas là-bas. Avant, s'il n'y a que des manœuvres ou des portefeuilles qui viennent manger chez toi, maintenant des fonctionnaires et des cadres, des gens en cravate viennent manger chez toi. Parce que les portefeuilles généralement mangent à crédit. Mais quand les cravatés viennent, s'ils mangent, ils te disent on regarde la monnaie. Alléluia. Mais Seigneur, il m'a dit, vous avez compris? Il a dit que tu m'as dit non. Donc Dieu, c'est que tu réussisses. Donc quelqu'un ne va pas. Quel que soit le métier que tu fais. Aime ton métier, il n'y a pas de sous métier. Loue-toi. Prends soin du métier. Aime le travail. Et si vous êtes ferrailleur, fais-le avec soin. S'il en reste des chutes de fer, ne les mets pas dans ton sac à rentrer chez toi. Et appelle le maître d'œuvre et dis-lui qu'il reste ces chutes de fer. Et que lui-même te dise, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ces morceaux? Amène-les. Si tu es au restaurant et que tu sers, que ton zèle, ton habileté fasse en sorte que l'on te paye au-delà de ton salaire. Et il y a un restaurant, mais là, ton sourire, mais que puis-je vous faire, encore plus gentil, l'accueil
doit amener la personne à être satisfaite. Et en fin de compte, en partant, il te laisse les jetons qui restent. Cette année, agis. Pour dire que si l'on doit procéder à une révision du personnel, à une contraction du personnel, l'on peut se garder. Mais pas en dire avant hier. Je suis venu ce matin pour te proclamer la bénédiction. Si elle est là, elle peine à la Romana. Ou bien tout ce que tu tiens tombe de ta main. Amaya est le mien. Es-tu béni? Pourquoi n'es-tu pas béni? Es-tu enfant de Dieu? Crois-tu en Jésus-Christ? Tu es béni. Mon nom est béni. Béni. Tu seras béni. Hey, oh, yeah, oh, tu, oh.